So this exhibition, the Horizontal Metropolis, a Radical Project, is about the space where we live in general. We live in the city in a very extended urban condition, and we want to deal with this situation. We try with this exhibition to address the possibility of a project for this extended urban condition, which we consider a spatial capital. So spatial capital means that it's a collective and partially public, but also individual capital that is in the space in which we live. By considering this a capital and not just a mistake and not just something wrong, we challenge the common ideas about what is a good city form and what is the good density and what is a good space where to live and which kind of structure. That's why we want to develop, and we are developing through this research, a counter project that is today, I'm very convinced of that, necessary to unveil cultural hegemonies and to unveil the tendency to homogenize all the ideas we have about how this space might evolve in the future. In fact, the question of the future is central to this exhibition. We want to project into the future. We want to imagine ourselves in the future. And together with students, we will work at Beaux-Arts by imagining the future for three Belgian regions around Brussels, in the western part of Brussels, in Ghent, in the province of Ghent, and also in Sambreville, so in Wallonie, along the Maine basin. And it is here that we want to develop this counter project that can be read also kind of utopia maybe, but it will be a very concrete, a very realistic and a very reasonable utopia, which I think is what we need today together with a lot of radical projects. Oui, donc dans le contexte de cette exposition qui est sur une hypothèse assez radicale de la métropole horizontale, avec cette partie, ce qu'on a voulu montrer, ce qu'on a voulu mettre en évidence, c'est que finalement, dans le contexte belge et même plus largement, il y a déjà toute une histoire de réflexion sur un type de territoire assez spécifique, ou en tout cas qui n'est pas le modèle de la métropolisation avec la ville d'un côté, la campagne, mais des choses beaucoup plus mélangées. Et donc ici, dans le contexte belge, on peut dire que c'est dû à une histoire spécifique de ce territoire qui n'a pas été urbanisé de la même manière qu'en France ou aux Pays-Bas ou en Allemagne. Mais dans cette partie, on a surtout voulu finalement montrer, faire moins la généalogie du territoire lui-même qui est présenté aussi, qu'une généalogie de nos rapports à ce type de territoire. Comment on l'a interprété, comment on le comprend. Parce que, en fait, ce rapport a évolué, il a beaucoup évolué. Il y a plusieurs interprétations, plusieurs postures, plusieurs manières de travailler. Et c'est un petit peu ce qu'on a voulu mettre au centre de l'exposition, c'est ces six rapports différents, six attitudes qui peuvent aujourd'hui encore coexister, mais qu'on a mis de manière un peu généalogique. Il y a une posture au départ, dans les années 60, presque de rejet, de critique, de ce désordre perçu comme un chaos. Puis il y a des attitudes ensuite plutôt de compréhension, d'essayer d'analyser d'où ça vient, les mécanismes. C'est pas dessiné tel quel, mais il y a toute une série de... Ben, chacun a eu ses propres rationalités pour le faire. Il y a des travaux qui ont cherché plutôt à identifier du coup des modèles alternatifs qui pourraient permettre de mieux comprendre ça que les modèles de la métropolisation. Et puis, il y a cette posture, cette hypothèse d'en voir finalement un projet de territoire alternatif qui pourrait avoir énormément de qualité. Et puis aujourd'hui, on en est à se poser toutes les questions de société que ça implique de prendre cette posture comme hypothèse de territoire. Après, plus largement, ce qu'on a aussi voulu montrer, c'est que
cette forme spécifique d'urbanisation, elle nous a irrigué depuis... depuis les années 60, elle a irrigué. On a voulu montrer différents médias. Il y a des bandes dessinées, il y a des films, il y a des travaux de photographes. Tout ça en plus du travail de chercheurs et de plein de publications, plein de réflexions. Et donc voilà, si on prend par exemple les bandes dessinées, ça montre, je pense, assez bien à quel point on a tous grandi quelque part avec ces images de mode de vie où on est dans des territoires très mélangés. L'idée le concept de métropole horizontale trouve un terreau fertile en Belgique parce qu'il correspond à une certaine forme d'urbanisation très spécifique qui, en fait, est le produit d'une politique d'émancipation individuelle extrêmement volontariste à travers l'accession à la propriété privée bon marché. Et c'est une vieille histoire qui a commencé au XIXe siècle, donc avec les créations de l'État belge, et qui continue encore aujourd'hui. Elle a surtout connu une vague très forte au milieu du XXe siècle. C'est une urbanisation extrêmement opportuniste qui s'est basée sur le réseau dense de routes et de rues qui relie une constellation extrêmement forte de petites villes et de villages qui trouve déjà son origine dans le Moyen-Âge et qui s'était poursuivi ou qui a trouvé un support supplémentaire dans un réseau d'infrastructures de transport, tram, autoroute et d'aide à la mobilité comme les voitures de société ou toutes sortes d'aides à la mobilité quotidienne. C'est aussi une urbanisation qui a accompagné une politique très forte de développement industriel là où l'industrie doit s'implanter et pas spécialement là où on veut l'implanter. Donc dans le cas de Sambreville par exemple, des zones qui ont été, des régions qui ont été extrêmement forgées, extrêmement dessinées par ce développement industriel. Alors ce qui nous intéresse dans les cas belges, en particulier le cas bruxellois qui m'a plus occupé ces derniers temps, c'est deux éléments. La première chose, c'est le sol, le terrain très fertile qui correspond à l'ouest de Bruxelles, à cette crête entre la Seine et la Dendre, entre donc deux zones sablonneuses à l'est de la Seine et à l'ouest de la Dendre, et puis la forte identité locale de ce territoire. Alors, forte identité locale, elle se traduit à travers un certain nombre d'éléments, donc la gouvernance, donc une très grande prégnance du niveau communal, qui semble être le niveau de pouvoir le plus important, et qui, de nouveau, correspond à une vieille histoire d'un pays entre deux grands empires, qui a développé toujours une culture ultra-locale, voire individualiste, extrêmement forte. Et une prégnance du niveau communal, mais qui n'est pas détachée des autres niveaux de pouvoir. Il y a toujours la fameuse figure du député bourgmestre qui court-circuite un petit peu les niveaux de pouvoir. Et puis un niveau de pouvoir tout à fait particulier à la Belgique, qui est l'intercommunal, ou les intercommunales, que les Belges connaissent bien à travers la presse et les scandales, et qui a fondamentalement équipé le territoire belge. Alors ce qui est aussi fortement identitaire dans ces territoires, c'est la forte présence d'infrastructures culturelles. Alors dans la partie flamande, de l'ouest de Bruxelles, bah, dû au combat pour le maintien d'une culture néerlandophone dans le processus de métropolisation, d'extension de Bruxelles et de francisation du territoire bruxellois, mais aussi à travers l'histoire même du foncier et de la dynamique d'urbanisation, une dynamique d'urbanisation qui est plutôt liée aux routes, disais-je, et donc plutôt aux crêtes, aux collines, et donc les territoires qui restaient disponibles au moment où on doit équiper l'urbanisation d'équipements collectifs, c'est plutôt les territoires de vallée, les territoires de fond, qui, par ailleurs, souvent, appartenaient déjà au domaine public. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve dans ce territoire une assez forte correspondance entre le réseau des vallées, le paysage arboré et les infrastructures culturelles, ce qui est très, très spécifique et qui nous intéresse beaucoup. Alors, je parlais d'un terrain fertile aussi, donc cette bande d'argile très particulière, assez exceptionnelle dans le contexte géologique agricole du Brabant, qui fait de ce territoire une particularité aussi dans sa qualité productive et qui permet aujourd'hui, au XXIe siècle, à travers l'idée de la métropole horizontale, de s'interroger sur des thèmes que les penseurs de l'urbanisation avaient jusque-là délaissés, c'est-à-dire l'alimentation et la production alimentaire. Donc les atlas, celui de Bruxelles, celui de Sambreville, celui de Gand, c'est d'une part une volonté de découvrir, d'explorer les logiques d'urbanisation, comprendre comment ça se structure. Dans tout cas, où il y a toujours une structure, et dans ce cas-ci, on peut vraiment identifier de manière très très forte et très claire. Mais c'est aussi une manière d'explorer les ressources pour aller plus loin,
pour voir comment aborder aujourd'hui des questions aussi cruciales que la qualité alimentaire, mais aussi la question de la transition énergétique, les questions aussi de transition de mobilité. Et c'est ça qui nous intéresse à travers ce travail d'Atlas. The atlases of horizontal metropolis represent, first of all, an effort of imagination. So the idea of atlases that we want to bring here is the idea, a bit revised, not as an exhaustive body of knowledge, it's the idea of telling an history of the horizontal metropolis through the reading of different scale. It's the idea of positioning the small piece, 3.2 kilometers by 3.2 kilometers, to reposition this piece into different scale, a broader territory, a broader context, its physical, cultural, infrastructure support. So each atlas is divided mainly in two parts. The first one is telling about its project. And it's telling about its project inscribed into a broader context, so we can read the small piece into a broader project, normally 10 by 10 kilometers, and we can read the project that we see in the model through some schemes that we call figures. Normally, we have two or three figures for each one of these different contexts. And the second part is an effort of reading and unfolding a sort of palimpsest that built this kind of territory through the simple reading of the morphology of built, the water, infrastructure, ecology, production. The idea is to give sequences and possibility of comparing all these different cases and understand how it has been constructed, normally at a scale of 50 by 50, but then we have a lot of details explaining the themes more broadly and in different ways. These atlases are open in a way, so this is how we imagine, and how we imagine a history of the future of the space, but they're open to be read in different ways. We can read one by one, we can read all of them, and imagine a sort of exercise of comparison, and try to imagine a future for this space.